Jeanne était au pain sec dans le cabinet noir pour un crime quelconque. Et manquant au devoir, j'allais voir la proscrite en pleine forfaiture et lui glisser dans l'ombre un pot de confiture, contraire aux lois. Tous ceux sur qui, dans ma cité, repose le salut de la société, s'indignèrent. Et Jeanne a dit d'une voix douce, « Je ne toucherai plus mon nez avec mon pouce, je ne me ferai plus griffer par le minet. » Mais on s'est récrié, « Cet enfant vous connaît. Elle sait à quel point vous êtes faible et lâche, elle vous voit toujours rire quand on se fâche. Pas de gouvernement possible, à chaque instant l'ordre est troublé par vous, le pouvoir se détend, plus de règles. L'enfant n'a plus rien qui l'arrête, vous démolissez tout. » Et j'ai baissé la tête, et j'ai dit, « Je n'ai rien à répondre à cela, j'ai tort, oui. C'est avec ces indulgences-là qu'on a toujours conduit les peuples à leur perte, qu'on me mette au pain sec. Vous le méritez, certes, on vous y mettra. » Jeanne, alors, dans son coin noir, m'a dit tout bas, levant ses yeux si beaux à voir, pleins de l'autorité des douces créatures, « Eh bien, moi, je t'irai porter des confitures. »